Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Paladin dans le mode siège et on va jouer avec Ashe. Ashe, le nouveau tank, un tank qui est pas OP mais qui est pas non plus complètement enterré. Ça se fait en plus avec la nouvelle légendaire, elle est assez cool, alors on va essayer de l'utiliser si vous le voulez bien. Donc on n'est pas dans un mode classé, hein, on est dans un mode normal. On a un healer avec nous, alors est-ce que Ceres va essayer de nous heal, je sais pas trop. Sinon on a après double dégâts, un flank. Et du côté adverse, ils ont 2-3 dégâts, un flanker et un healer avec Pip. Voilà. Bon écoutez, on va essayer de la jouer correctement. C'était un tank que j'aimais beaucoup jouer à une époque. Donc on va voir. Qui c'est qui charge pas, c'est la cassie adverse, c'est bon, la charger. Oui, donc la nouvelle légendaire, c'est quoi? C'est... Vos tirs d'armes sont moitié plus rapides. C'est ça, sont moitié plus rapides, par contre moitié plus de distance et inflige 21,25%. Plus, mais il n'explose plus. D'accord. On va essayer cette nouvelle légendaire. Et c'est quoi? Alors là, pareil, les decks, je les connais pas trop, donc... la surprise full metal, c'est quoi? Le temps de recharge d'un gène 1, le recul d'explosion 1, le recul de coup d'épaule augmente. Bof. Non. Attends. Tout simplement forgé dans le feu, les dégâts sont réduits à 1. Allez, on va prendre ça. Et ça, faut acheter... And so it begins. On va prendre cautériser même s'il y a juste Pip au niveau de l'adversaire, mais je savais pas trop quoi prendre. On aurait pu prendre Chronos plutôt. Bon, on est le seul anti-heal donc au final. Alors on pourrait dire ouais, il faut aller sur le point. Bon, en même temps si on est le seul, hein. Le truc c'est quoi, hop, allez, on met ce bouclier. On essaie de tenir. Contre. Ouais, on a besoin de heal par contre. Comment on le dit? Bon, pour l'instant en fait nous on sert à caper le point. Un millier de merci on dit. Ouais, leur compo va pas au niveau des adversaires. On va voir ce que ça va donner mais... Allez, voilà, on vient aider. Hop, on va mettre... le bouclier en attaquant, vous inquiétez pas, on va avoir un peu plus d'action. Oh là, hop. Oh, on nous prend les kills, hein. On pourrait en récupérer quelques-uns mais on n'y arrive pas pour l'instant à les récupérer. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Voilà, on a capé l'objectif. Mais c'est vrai que dans le monde normal on peut le jouer à la troisième personne. Alors c'est quelque chose que je sais pas trop faire, mais je peux essayer de vous le proposer. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude, mais ça... intéressant d'essayer comme ça. Notre Miv qui est tombé. Ah, il faut la... elle est où? Allez, hop là, on nous a envoyé là bas où elle est? Elle est mal, la petite, elle est mal. Alors on l'a tché. Oh, il a récupéré tous ses PV. Mince. Waouh. Ouais, là on est foutu, hein. Il sait où on est. Ouais, il savait où on était. En fait on était caché dans l'air mais... Ouais, le problème c'est qu'on est un peu laissé seul. Sans grande surprise. On va prendre côté Rizor 2, histoire d'empêcher le heal au max. En plus il y en a deux qui ont pris guérison mortelle, plus le Pip. Si on peut essayer d'empêcher du heal, ça peut être intéressant. Donc je continue à vous proposer deux petits games. Alors c'est vrai que je ne fais plus de ranked, par contre je pense que je vais attendre la future saison pour ça. On verra. Allez, on va mettre ce bouclier là. Par contre, voilà, on va chercher le kill mais... oh, on était pas loin du double kill. Ils l'ont fini. Là moi j'attends en fait que mes PV remontent.
Ils mettent très longtemps avant de revenir. Ah non, on pouvait pas là. Aïe 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 aïe. Dommage. Je sais pas trop sur quoi partir non plus. Peut-être Chronos, ça aurait l'ulti motivation pour avoir l'ulti plus. J'aurais dû prendre l'ulti. Tu peux être un bon counter en plus à Drogoz vu que notre ulti nous rend impossible à tuer. Salut. Le pauvre. Et faut aller sur le point les gars. Faut aller sur le point. Oh là 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 là, alors qu'ils ont deux morts, personne va sur le point. Là c'est bah c'est des. Je pense que c'est des. C'est des gens qui n'ont pas trop l'habitude de la ranquette tout simplement. Là on se remet à la première personne. On se remet à la première personne. On va mettre motivation. Pourquoi on met motivation? Là, pour récupérer l'ulti plus souvent. L'ulti qui est quand même cool, hein, qui nous permet vraiment bah, de pas mourir. Hein. J'ai 350 dégâts à l'impact, c'est pas énorme, mais créer une zone où on est immunisé pendant 8 secondes, c'est quand même très fort. Donc voilà. Vu qu'on n'a pas la légendaire pour tanker beaucoup, si on peut au moins avoir l'ulti un peu plus souvent, ça peut avoir son intérêt. Mais le meilleur intérêt de prendre motivation, c'est quand tu prends la légendaire basée sur ton ulti. Évidemment. On va mettre le bouclier là. Et vous voyez, on arrive à tuer de. Oh, enfin, à tirer. Boum. Boum. Oh non, je me suis pris. Je savais pas qu'il y avait un rocher là. On l'a eu quand même. On l'a eu quand même. C'était plutôt pas mal. Et on va aller sur le point tranquillement. On va mettre ça. Bon, on n'est pas là trop pour aligner les dégâts, mais. Je sens que ça va être dur de push, hein. Ça va être dur de push, mais bon, sur un malentendu, ça peut marcher. Non. On verra, attention. On sait que Tyra c'est fort avec ça maintenant. Et c'est vrai que ça part vite maintenant, j'aime bien ce légendaire quand même. Parce que bah, tu peux plus facilement toucher évidemment, vu que ça va 50% plus vite, c'est ça. Moitié plus rapide, et par contre moitié plus rapide, donc non, ça va deux... ouais. Ça veut dire que c'est bon. Ça va deux fois plus vite donc. Moitié plus rapide. Je pense que c'est ça que ça veut dire, mais que ça prend pas 50% de la vitesse. Ouais. C'est compliqué, après c'est des maths. J'étais pas un pro en maths, même si j'étais pas le plus mauvais. Allez, on essaie. On avance avec le bouclier derrière. Salut Cassie. Là il nous faudrait du heal. Hein. Mais la Ceris, vous voyez, elle va à l'attaque. Pas très malin ça. Allez, bien joué. La Liane qui vient prendre le kill. Bon, nous on est obligé d'être là, hein, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour sur l'objectif. On l'a vu tout à l'heure. Salut. Allez, oui, on lui a fait mal. Hein. On a tout touché, c'était plutôt cool. Hop. Les tags, ils marchent pas bien encore. Hop, on n'a même pas besoin d'utiliser l'ulti. Hein. Hop, on va même prendre le kill une fois de plus. Bon ben ça se passe bien, la game est un peu... elle est difficile à gérer là pour. Ils ont un peu des dégâts partagés, donc c'est difficile de choisir parmi tout ça. Donc on va prendre motivation round 2 même si on n'a pas à l'utiliser, mais au cas où si on a à l'utiliser, ben voilà, on sera prêt. On va se remettre à la troisième personne, allez. On va se remettre comme ça. Point spawning in 15 seconds. Allez. I understand completely. Ah, il est cool ce skin de samouraï et un peu de H. Après c'est difficile de juger là si H c'est vraiment très fort dans ce game, parce que là bah, on est vraiment tranquille. Alors oui, on fait du 8-2, c'est sûr que, mais c'est parce que bon, l'équipe adverse a une team qui ressemble pas à grand chose au niveau compo, donc bah, on est tranquille. Ah, s'il y a quelqu'un là-haut. Salut. On va mettre ce bouclier là. On va sortir de cette zone de feu. Et là en fait, ouais voilà, là évidemment qu'on allait se retrouver un peu en inférieur. Voilà. On va mettre l'ulti. Hein. Et là, ils peuvent pas nous mettre de dégâts. Oh si on était suivi. Allez, c'est bien. Bien joué.
bien suivi. On peut essayer d'aller. Ah, ah ça sent, ça, ça sent pas bon. Là, on finit par tomber malgré tout. En fait, moi je suis habitué au coup d'épaule qui me fait tanker. Donc il faut que je m'habitue là, avec ce légendaire, à ce que ce soit pas le cas. Et donc j'essaie d'utiliser différemment. Bon, on a gagné quand même. Aussi. Voilà, il y avait pas photo, leur compo pouvait pas gagner face à la nôtre, mais bon, voilà. C'était une petite game comme ça, histoire de vous proposer toujours du paladin en attendant. J'attends des futurs patchs pour voir comment ils font évoluer le jeu. Parce que là, il manque d'équilibrage, ça manque de punch, à mon sens. Le gameplay a perdu du punch, je trouve, par rapport aux précédentes... mise à jour, donc ben, on va voir ce que ça donne, mais voilà, c'est bien. J'ai ouvrir le coffre de mon côté. Voilà, on est le meilleur tank, mais en même temps, on était le seul tank. J'ai envie de dire, comme ça, on n'a pas beaucoup de dégâts parce qu'on était celui qui restait là-bas. Le trocon n'a que 13 000 dégâts, il a souffert lui aussi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. C'était une petite game avec H, il n'y a pas eu match malheureusement. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Merci à vous d'avoir regardé, nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.